Bon, on est parti là, les gars. On est parti chercher. On est parti voir un pote. Peut-être que je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. S'il y a du vent, je suis vraiment désolé, hein, c'est la première fois que je teste. Mais je vais avec un pote, on va faire une petite balade vite fait. J'ai peur que ça se mette à pleuvoir, mais bon, j'espère que ça va se maintenir. Normalement, si tout se passe bien, je vais peut-être réussir à voir. Parce que normalement, je devais être avec l'apprenti mauveur, moi et un autre pote. Mais sauf que là, du coup, bah, l'apprenti mauveur, il peut pas, sa mobilette n'est pas assurée. Et du coup, bah, on sera plus que deux. Mon pote à moi, plus moi. Avec son 103, c'est un 103 Vogue remodifié en mode chopper, c'est vachement stylé. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? C'est bon, on va pouvoir partir. Clignotant, c'est pour les chiens. On prend l'autoroute, les gars. Allez, on tourne. Ah non, non, on n'est pas complètement dedans, on prend pas l'autoroute. Bon, voilà, ça brûle. J'ai peur qu'elle cale parce que de temps en temps, elle n'a plus de ralenti. Ici, là, c'est Ludovic. C'est ici que j'ai pris des pièces pour la mobilette. Je crois que j'en ai pris une. Bah, déjà mes gants, là. Et ici, là, juste à droite, là, c'est là où je vais passer mon VSR. Enfin, permis AM, maintenant. Parce que VSR, ils veulent plus qu'on le dise. C'est permis AM. Il n'y a pas grand monde, hein, je trouve, dans cette habité, il y en a beaucoup plus. Personne. Allez. Ça va? En fait, j'ai perdu le morceau en allant à mon stage. Ah, ok. Et c'est toi qui as mis les valves lumineuses là, Jean? Je te suis. Bah vas-y toi, c'est même bon, je veux aller. Personne alors, par contre. Bon, il roule 80 km/h parce qu'il est encore en rodage, il est dans le coin, il avait serré. Donc du coup, en vrai, je veux aller. En vrai, les gars, là, je le suis. Hein. Mais si ça se trouve, il veut directement aller là où il m'a dit tout à l'heure par téléphone. Ou si ça se trouve, il veut s'arrêter chez son père avant. Là, j'en sais rien du tout. Allez, vas-y. Ben, vas-y. Alors, je te jure, lui. Heureusement, nous, il a passé son permis. Tu veux aller où? Ok, tu veux bien aller être sur YouTube? Oui, oui. Et tu veux bien que je diffuse ton nom sur YouTube? Ok, merci. Ça fait stylé là derrière. Okay, dites-le en commentaire, les gars. Mais qu'est-ce que ça vous donne comme impression, ça là, le petit siège Tamsha, siège chauffeur? Et aussi, les gars, vous savez, quand maintenant il faut les nouvelles plaques et tout, sinon il faudrait la mettre en collection. Et donc, du coup, bah, moi j'ai une grosse plaque. Et quand t'as pas les sacoches, je te jure, ça fait laid. Mais quand tu mets des sacoches, ça fait moins ridicule. Parce que les sacoches, elles prennent le large comme ça. Et donc, du coup, tu vois, ça prend plus large. Et donc, du coup, si tu mets une plaque plus grande, ça dépasse pas de la mobilette. En vrai, je sais pas s'il filme là avec sa GoPro, c'est une GoPro Hero 4, les gars. S'il filme, hein, bah, alors là, il freine, voyez.
Oui, faut pas qu'il monte trop vite, il m'a dit. Ah oui, prends cette route, c'est vrai. Voici l'église. Belle église, hein, les gars. Ah ah! Il fait rien. Ça y va bien cette blouse hein. C'est un CD de passage ou un stop? Ouais, c'est un CD de passage. C'est bon. J'ai cru qu'il allait griller le stop, le con. Enregistre plus. Putain, l'inondation. Ton sac, il est ouvert derrière. La petite pochette, elle est ouverte. Ah, mais rien. Ah, les fossés, putain, les fossés, ils sont pleins à déborder. Ouais, il voit, je vous l'avais dit, mais à plat. C'est normal, du coup, ça. Putain, regardez les fossés. Putain, le mec, il a trop. Le mec, il a trop. Le mec, il a un pneu ici. C'est des pneus. C'est des pneus, mais qu'est-ce que ça fout là? Ça y était pas tout à l'heure. Ouais, c'est talenté. C'est des pneus qui ont été découpés, tu vois. Bah c'est pas ici que ça devrait aller. Vas-y, attends, j'ai des tendeurs, je crois, attends. Mec, ils sont morts ces pneus en plus. Attends. Et t'as vraiment des cons. Non, attends. J'ai essayé de trouver des tendeurs quoi, s'il y a une voiture qui passe, ils peuvent les récupérer, c'est bien. Mais mec. J'ai essayé d'accrocher ça comme c'était. Mec, de moment faut y arrêter, faut vous. Mais je reconnais plus. Mais la brelle. À part sans moi. En deux boulettes, on arrive. Mec, la prochaine maison là, je leur donne les pneus. Et je leur dis c'est un cadeau de Noël. On arrête la prochaine maison. En mobilette. Attends, on démarre. Bah ouais, j'ai même cassé le rétro là. Je pédale, vas-y. Le rétro, je pense. J'en ai, et bien il est là le rétro. Il roule. Je vais y aller doucement si tu vois que ça bouge de trop, tu me le dis. Voilà. Les gars, mais on va comme on peut là. C'est pas ici que ça devrait aller. Ça tient bien? Tu sais comment on peut aller à la déchetterie du Merle Blanc là-bas? Non, c'est peut-être fermé, mais moi je m'en fous, je vais la remettre ça. Tu sais où on peut les mettre sinon? Bon. On va y aller, même si c'est fermé, on leur met ça à la porte, mais quoi? Bah vas-y. Excusez-moi. Est-ce que vous savez si la déchetterie elle est ouverte aujourd'hui? Parce qu'on a retrouvé ça avant de la route. Non. Maintenant, oui, mais pas sûr. Non, pas sûr. Elle est ouverte demain? Lundi, oui. Ok, voilà. Oui. Ça, ça a été posé de la façon que c'était mis. En plus, avec le bidon, là, là, ça a du plastique. Bah oui, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus nocif pour la nature. Oui. C'est ce qui. C'est ce qui détruit la faune. Et là. En plus, t'as vu l'huile? T'as pas une poubelle juste pour le bidon d'huile? Juste le bidon d'huile. Parce que ça, tu peux le mettre à la poubelle. Par contre, les pneus, non. Parce que ça c'est que du plastique, ça c'est du pétrole.
me faire passer pour un con. Mais... ouais, je croyais que le garage là il était ouvert, enfin je croyais qu'il y avait des poubelles là pour poser, mais non. Non, il n'y a aucune poubelle, ça peut être... si, il y en a, mais à Fontaine. Bon, bon, on fait le tour, hein, on va à Argenton là. Non, là tu peux pas passer. Ah oui, bon, bah, c'est pas grave.